Je vais vous dire quelque chose. I'll tell you something. Je donne toute la gloire au Seigneur. Jésus. I'll give all the glory to God. Et je vous dis ceci. I'll tell you something. Ce que Dieu m'a permis de comprendre. What God allows me to understand. C'est qu'on peut pas l'aimer à moitié. It's because you can love him halfway. Et quand on aime Dieu, and when you love God, on doit être prêt à tout perdre pour you have to be ready to lose everything. La Bible dit, the Bible says, celui qui perdra, the one who lose, sa vie pour moi, his life for me, oh, il va la récupérer, he'll win it back, d'une autre façon, another way. Je vous parle pas de la mort, I'm not talking about death, mais je vous dis perdre la vie, I'm talking about losing your life, c'est-à-dire renoncer à soi, renounce yourself, ne plus vivre pour soi-même. Renounce yourself. Ne plus chercher ses intérêts. Not to look for your interests. Mais chercher l'intérêt de Dieu et les autres. But look the interests of God and others. Quand ce jeune homme a entendu Jésus, so when this man heard Jesus, il a dit non, c'est pas he said, no, it's not je possible. Ne peux pas. I can't do that. Parce que lui voulait saisir une seule partie de la parole. Because he only wants to seize only halfway of the Mais word. Rappelez-vous que ce jeune homme a demandé la vie éternelle. But remember that this man asked for eternal life. Je dis aux chrétiens. I tell to Christians. Tu peux prier en langue. You want to pray in language. Tu peux prêcher l'évangile. You can preach the evangel. Guérir les malades. Heal the sick. Et être disqualifié. But he disqualified. Il dira, je ne vous connais pas. He'll tell you, I don't know you. Oh, certains diront, mais en ton nom, j'ai prophétisé. Some people will say, oh, I prophesied. En ton nom, j'ai guéri les malades. I healed sick. Jésus n'a pas mis en cause l'onction qui était sur eux. Jesus doesn't deny it. Non. Never. Parce que Jésus pouvait dire non, c'est le diable qui a fait ça. Because Jesus could say no, it's non, the devil. Il n'a pas mis en cause l'onction he qui était sur cette personne. He never denied the unction. Puisque il a dit en ton nom j'ai prophétisé. Because he said in your name I prophesied. En ton nom j'ai prêché. It's in your name I preached. En ton nom j'ai guéri les malades. In your name I healed. Mais il dit je ne vous connais pas. But he said I don't know you. Je ne vous connais pas. I don't know you. Je ne vous connais pas. I don't know you. Vous qui commettez l'iniquité. The one who committed iniquity. C'est-à-dire vous qui commettez le mal. Because you do wrong. Eux, ils ont saisi une parole. The one says the word. Ils ont saisi la parole où Jésus they dit, the word, Jesus en mon nom, said, vous allez guérir les malades. In my name you heal. En mon nom, vous allez prêcher, in my parler name you en langue. And work in language. Mais ils n'ont pas saisi cette parole. But they didn't say the word. De Dieu qui dit, of God that said, soyez saints. Be holy. Comme votre Père céleste est saint. Like your holy Father is holy. Ou bien porter du fruit. Or bring fruits. Non, ils n'ont pas dit cette parole. No, they didn't say these words. Alors ils se sont dit, oh non, on, so they told themselves, on a une onction. We had an unction. On sera forcément qualifié. We'll be qualified. Paul dit, je traite durement mon corps. Paul said, I'll treat. De peur qu'après avoir annoncé l'évangile aux autres, evangel, je ne sois disqualifié. I'll be disqualified. Dieu nous appelle ce soir God calls us tonight à vivre totalement la parole, to live totally, à aimer sa parole, to love his words. Vous savez, les juristes disent quoi? Les juristes disent quoi? The young say, même si la loi elle est dure, even if the law is hard, c'est la loi. It's the law. Pourquoi nous voulons trier les paroles qui nous Why plaisent? Do you want to choose? Oh, on ne veut pas les paroles où oh, Jésus we don't dit, want this one. Prends ta croix chaque jour pour me suivre. Jesus said, take your cross and follow me. On dit non, pas cette we parole. We said no, we don't want this one. Pas cette parole. Not these words. Oh, je donne souvent un témoignage très simple. Est-ce que vous savez que je ne serai plus candidat pour porter la croix lors du Vendredi Saint? Have you seen somebody be a candidate to port the cross? Alors que je sais que beaucoup d'entre vous vous rêvez porter so I know la croix many of you dream le about it. Saint. Nous étions à Jérusalem in Jerusalem en 2012. In 2012. Donc le Vendredi Saint. The Holy Friday. Je porte la croix de Jésus. And I'm holding the cross of Jesus. Oh mon doux Jésus. Oh my sweet Jesus. Je veux souffrir avec toi. I want to suffer with you.
Au début, c'était bien parce qu'il y avait les. At the beginning, it was good. Parce que les journalistes du monde entier. Because there were the journalists of the world. Bon, dès que je suis sorti. As soon as I exit. Première ou deuxième station sortie. They were beside me at the second station. Non, plutôt la troisième station. The third station. I exited. Mais j'ai vu beaucoup de journalistes du monde entier. But I saw many journalists. I was happy. Enfin, ça faisait bien quoi. It was good. Ce jour-là, ma vie dans le monde entier. This day, I was seeing the whole in the world. Ce jour-là, quand on montrait le chemin de croix à Jérusalem, c'est moi qu'ils ont vu. This day, when they saw the Jerusalem cross, it's me that they saw. Et pour moi, c'était très sérieux de partager avec le Christ sa souffrance. And for me, it was so serious to share with the Christ in suffering. Il y a eu la quatrième station. There was the fourth station. Vous savez, pour ceux qui sont à la Jérusalem, you know, for the one who went to le chemin Jerusalem, de croix se fait dans un couloir, une rue difficile. The way of the cross is so hard. J'ai commencé à être fatigué. I started to be tired. Je regardais autour de moi s'il y avait un Simon de Cyrène. If there was somebody. Tout le monde était concentré. Everybody was concentrated. Nous étions le vendredi saint. It was the Friday, the Donc Holy tout le monde Friday. Était très sérieux. So everybody was serious. Et on me suivait. And they were following me. Et arrivé à moi. And at the moment. Il y a un journaliste qui a pris sa caméra. There was a journalist that took his camera. J'ai fallu lui laisser passer. I said, get away from me. Là, c'était plus un jeu. It's not a game anymore. C'était plus de la religion, je souffrais. It wasn't a game anymore, suffering. Et cinquième station. And fifth station. Je regarde autour de moi, quand même, il y a des frères communautés qui étaient là. I look around, there are brothers. Tous étaient concentrés. They were all concentrated. Nous étions le vendredi saint. It was a Holy Friday. C'est un jour où tout le monde est concentré. It's a day everybody's concentrated. Personne ne me regardait. Nobody wanna look. Aucun Simon de Cyrène. Nobody wanna look. Alors j'ai commencé à me plaindre dans mon cœur. So I was hungry. J'ai dit Seigneur c'est dur. I told Jesus hard. À ton tour tu as eu un Simon de Cyrène. At your turn you had one thing. Viens à mon secours. Come to my help. Sixième station. Fifth station. Il y a quelqu'un qui m'a tapé. Somebody hit me. Frère, est-ce que je peux te dire? Brother, can I help you? J'ai su ce jour-là. I saw this day. Que ce n'était pas l'amusement. That it's not a game. Vous comprenez? You understand? Et pourtant, je dois accepter la parole de Dieu. But I accepted the word of God. Qui dit, prends ta croix tous les jours pour me suivre. That said, take your cross and follow me. Je ne suis pas en train de vous dire que la parole de Dieu est facile. I'm not telling you that the word of God is easy. Aimer son ennemi, c'est quelque chose de très difficile. It's very difficult. Très difficile. Very difficult. Vous savez, un moment de ma vie il y a 5 ans. At one moment of my life 5 years ago. J'ai vécu certaines épreuves d'amour. I was going through difficult situations. Vous savez que là où le diable veut nous tenter. You know where the devil want to tempt us. Là où le diable veut nous vaincre. Where the devil want to win us. C'est par rapport à l'amour gratuit. It's about the love, the free love. Parce que notre amour est trop intéressé. Because our love is so interested. Tant que tu m'aimes, je t'aime. As long as you love me, I love you too. Mais quand tu commences à ne plus m'aimer, but when you don't love me, je ne t'aime plus. I don't love you anymore. Alors, qu'est-ce que je vais faire? So, what will I do? Parce qu'il y avait une situation. Because there was a situation. Qui paraissait une situation difficile. That felt so difficult. Or, depuis ma conversion, but since my conversion, la chose précieuse que j'ai demandé à Dieu, the precious thing I was asking to God, c'est que mon cœur ne soit jamais troublé. Is that my heart never be troubled? Qu'il n'y ait jamais de haine dans mon cœur. Never be sorrowed. Parce que je vais sentir le mouvement du Saint-Esprit. But because I want to feel the movement of the Holy Spirit. Le mouvement du Saint-Esprit dans mon cœur. The movement of the Holy Spirit in my heart. M'a permis jusque-là de vaincre certains obstacles. To win some obstacles. Mais ça, la situation était complexe. But this situation was very complex. Tout humainement. Humanly, toutes les situations humaines. Every situation in the human life. Me disait, maudis ces personnes. Was telling me you have to curse them. Je dis au diable. And I told to the devil. Je vais pas t'écouter. I don't want to curse you. Un matin le Saint-Esprit. One day the Holy Spirit. Il me fait méditer les béatitudes.